Salut les copinous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et aujourd'hui on va vous montrer notre appartement. Ici je me trouve dans l'ascenseur et on va voir tout de suite. Bon, on va commencer par là, la porte d'entrée que vous avez vue avec le couloir. Ici on a la pièce favorite de Julie. C'est une buanderie. Une buanderie. On a notre fameuse machine à laver qui est là, qui est pas mal. Genre, je pourrais me mettre dedans, quoi. Qui est quand même grande. Avez... Je vais mettre un bras dedans. On a notre petit bac à linge qu'on a acheté chez Ikea. Voilà. C'est pour le tout. Le style, le style. Ouais. En parlant de ses pantoufles, petite parenthèse. Julie s'amuse avec mes pantoufles à les mettre. Non, okay. Je ne m'amuse pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a un balcon, un grand balcon. Ouais, mais parce que tu l'aimais. Où, laisse-moi parler. Il y en a un grand balcon où je vais souvent, ce qui ne fait jamais, essayer d'enlever les poussières sur les carpettes, etc. Ah. Ok. Donc, je vais pas sortir, genre il pleuvait, je vais pas sortir en chaussettes. Et comme j'ai pas de clapette, elle met mes pantoufles. Sauf qu'elles étaient mouillées, donc je me dis, je vais pas rentrer avec les clapettes pour tout mouiller et tout salir. Donc je les laisse dehors. Mais il y a eu une tempête de vent. Pendant la nuit. Pendant la nuit. Et du coup, il y a une pantoufle qui s'est envolée. Elle m'a perdu une pantoufle. Tout en sachant que les pantoufles que j'ai là, ce sont des Reebok. Je les ai depuis 2005. Quand j'ai été en République Dominicaine avec mes parents. Elles ont traversé les années. Donc elles ont fait quasi le tour du monde. Donc j'étais pas content. Non mais genre je me suis levée, quand j'ai vu qu'il y avait une tempête, qu'il y avait eu genre full vent, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit les clapettes. Et il n'y en avait plus qu'une sur le balcon. Il n'y en avait plus qu'une. Donc l'autre s'est envolée. Et Julie l'a retrouvée dans les plantes 5 jours après. Ouais, ça, quasiment une semaine après. Tous les jours je regardais. Je vais la retrouver. Et puis elle est venue à moi, elle est apparue. Ouais. Bon, continuons notre petit home tour. Donc, comme vous avez pu le voir ici, il y a une genre d'étagère que vous voyez ici. On a un truc pour mettre le linge. Voilà. Ici, c'est l'aspirateur. Et là, on a les trucs internet, on s'en fout, mais moi, je m'en fous pas. On va faire tous les coins, mais... Alors, ici, de l'autre côté, porte en accordéon. Notez le nombre de souliers. Ouais, mais ils sont pas tous là. Voilà. Donc ça c'est le fameux porte-manteau à côté de la porte d'entrée. On a des autres chaussures là, des bonnets, des trucs, tout ce qui s'en suit. Voilà, voilà. Après, ici c'est du carrelage et puis c'est du parquet dans l'appart. Et voilà à quoi ressemble la pièce de jour, on va dire. Donc on a notre petit salon qui est là, avec table de Ikea. Salon de chez Ikea. Julie voulait cette table là, ouais. Parce qu'elle est pratique. Tu peux enlever, regarde, monte la planche, comment on la retire. On s'est retiré ça. Tu peux mettre plein de choses. Tu peux te mettre dedans aussi. Je rentre ? Non, je vais casser mon pull. Mais je rentre dedans. Voilà, ça c'est un canapé lit quand les parents viennent, on se déplie, tac tac tac, et les parents savent dormir. Il paraît qu'ils dorment bien, hein? Il paraît. Voilà, derrière toi on a une petite télé. Petite, genre... Ouais, elle est quand même grande. On est super contents de cette télé-là, c'est une Samsung. C'est un petit cadeau qu'on a eu de nos parents. De tes parents? De mes parents, elle vient de chez Costco. Ouais, elle vient de chez Costco, le magasin qu'on vous a montré l'autre jour. On a aussi une petite PlayStation 4. On se demande c'est pour qui, hein, ça. Ouais, avec NHL 2019. Voilà. Après, donc, vous avez le salon ici, on se retourne. On a la table de cuisine, salle à manger, là où on mange, une table de 4 personnes. Ronde, on a acheté chez Structube. Chez Structube, ce magasin est vraiment trop trop beau. C'est vraiment un truc un peu à la mode, mais beaucoup moins cher. Ouais. Elle est pas mal, voilà, avec les chaises, yes. Et puis, on a la cuisine. La cuisine, c'est là où Julie s'amuse toute la journée à faire ses petits repas. Ça, on a acheté ça aussi, parce que c'était pas fourni avec. On a acheté la cuisinière. Ouais, la cuisinière, le frigo,
il est vraiment big. Vous voulez, on peut faire un home fridge pour voir ce qu'on a dedans aussi. Non. Bon ben voilà à quoi ressemble notre frigo. Du fromage d'Italie que mes parents ont ramené. voilà voilà. Et aussi ton fameux mixeur. Ouais. Ça, il va trop bien. Ici, j'ai déjà testé quelques trucs et ça aussi, ça vient aussi de chez Costco. C'est pas mal. Va pas. Ben genre, tu l'as pas mis. Donc voilà. À quoi ressemble la part. Salle de bain. Vas-y, Julie. Baignoire. Donc ici, nous avons le lavabo. Petit évier. Notez la propreté de mes robinets, s'il vous plaît. Allô, aussi, je tiens à dire quelque chose. Bon, là, on me voit. Depuis que Julie est ici, elle est devenue malade. Comment ça, je suis devenue malade? Non, je ne suis pas devenue malade. C'est juste que mon emploi du temps est différent. Et donc, j'ai plus le temps. Mais genre... Elle est devenue maniaque, comme vous pouvez le voir, tout est nickel, mais non, c'est mieux ça, hein. C'est mieux ça qu'autre chose. On a des grandes armoires ici, tout s'ouvre en fait, au niveau des miroirs, c'est sympa. Les meubles sont pas mal aussi, il y a une grande colonne pour du rangement, et de l'autre côté... On a une grande douche, une grande baignoire. C'est ça, une douche ici, yep. Et une baignoire ici. Bon, ça manque encore de déco par-ci par-là. Mais moi, je voudrais bien un truc ici. Mm-hmm. Et tu voudrais mettre quoi? Je sais pas, un poisson. Genre, tu vas mettre un tableau. Un tableau. Un poisson. Et après, on a notre chambre. Alors, la chambre est vraiment grande. Ouais. C'est ici. Vas-y, je vais y rentrer comme ça. On a la chambre d'avoir aussi. Mon miroir où je fais mes petites photos. Ouais. Et si vous pouvez retrouver Julie sur ses réseaux sociaux, c'est Hola Julie B, c'est ça? N'hésitez pas à aller faire un petit tour, à m'ajouter, j'aime bien papoter, à mettre plein de stories et causer. C'est ça. Notre bureau, petit bureau où on fait les montages avec. J'ai un Mac, Julie aussi en a un. Elle a un MacBook Pro. J'aime bien ça. Je l'ai acheté. J'ai acheté où ça? Chez Walmart. Donc ici aussi ça manque un peu de déco, mais donc on a notre petite table de nuit qu'on a trouvée chez Ikea qui sont vraiment pas mal cool. Mais c'est quoi ce bordel là à côté? Comme on vous l'a dit ici, on n'a pas de deuxième chambre. On a le canapé qui sert de lit quand nos parents viennent. Et donc là ici on doit aplatir nos couettes, nos coussins et trouver un endroit où les ranger. Ce qu'on ne sait pas encore. On va voir. Et ça, c'est notre lit, bon, qui est pas bien beau comme ça, mais on a choisi un super matelas parce que c'est super important de bien dormir, donc on a pris un matelas au top. Notez quand même là. Ouais, tu veux montrer? Ah ouais, non, mais attends, le matelas comme ça chez nous, on en a pas. Genre l'épaisseur du matelas, quoi. Ouais, mets ta main dessus, comme ça on voit. Ouais, vous voyez, on a pris un super matelas. Et on a aussi un fameux dressing ici. Dressing déjà bien rempli. Bien rempli, ouais. On a Julie qui va de là à... Non, mais ouais, en fait j'ai beaucoup aussi. Bah oui, t'as beaucoup. Moi je m'arrête ici. J'ai pas tant que ça. Ça hein. C'est tout à moi. Bah oui, c'est tout à toi. Et ça c'est tout à elle. Voilà, voilà. À quoi ressemble notre petite maison. Ouais. Maintenant, ça fait combien de temps qu'on est ici? On est rentré début septembre dans l'appart. Ouais. On a eu notre salon un peu plus tard. Ouais, on a eu tout ça, en décalé. En ouais, fait. On a eu tout décalé. C'est ça qu'on vous fait la vidéo un peu plus tard parce qu'on n'avait pas tout. Voilà. On a manqué d'internet aussi. En plus de ça, j'ai changé de boulot. Je vous expliquerai et ça. Beaucoup de choses. Donc, c'est pas toujours facile de faire des vidéos et. Merci bien. Genre le mec il se kiffe trop, il est là, il se regarde, non, il se bat, c'est pas vrai. Et moi il me coupe quoi. C'est pas vrai. Alors autre chose aussi, que ça pourrait vous intéresser ou pas, c'est les petites... ça ici, vous voyez? Ça s'appelle un passe-câble. Si tu accroches ta télé là, tu n'as pas les câbles qui dépassent, parce que tu peux mettre le câble dedans. Voilà. Et ça sort par là en dessous. Donc voilà, on est super content d'être ici. 3 mois et demi qu'on est au Canada. On ne regrette pas. On ne regrette pas du tout. On se sent bien, ouais. On est épanoui, on est bien. Les choses ont mis un peu de temps à se mettre en place, mais c'est normal. Je trouve que ça, dans l'ensemble, ça a encore été rapide. Ouais.
C'est pas trop difficile. Enfin, pour ma part, c'est pas aussi difficile que ce que je pensais. Ouais, non, c'est pas. Voilà, il faut faire le premier pas, il faut foncer C'est si tu as sûr. envie de le faire. Et après, Après, ouais. ben, c'est pas. Voilà, tu as la famille qui est plus loin, c'est clair, mais tu sais l'appeler quasi tous les jours. C'est sûr. Nous, on a la chance aussi, c'est d'être deux. Ça aide quand Ouais, même. je pense que si tu pars tout seul, ça doit quand même Parce que tout seul, c'est ça tout doit être plus seul. dur, ouais. Quand t'as des petits coups de mou, bah, t'es seul. Ouais, c'est clair. Donc, ben voilà, coureur sans notre appartement. Dites-nous si vous avez des petites questions, si vous voulez voir d'autres choses. N'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, on vous dit bye bye. N'hésite pas à mettre un like, à partager, à montrer à tes amis si ça t'intéresse. Et on Et se nous, retrouve. ben, plus tard, mais là on va se faire un petit café Allez, avant de c'est parti. partir. Allez, Ciao! salut, salut.